Salut à tous, c'est Itachi, on se retrouve aujourd'hui pour la 12e vidéo du Let's Play de Super Mario Galaxy 2. Alors, dans la vidéo précédente, alors j'avoue que je me souviens plus trop bien de ce que j'ai fait, parce que ça fait déjà quelques jours en fait que j'ai pas fait d'enregistrement, mais je me souviens voilà qu'on avait terminé le monde 4, et on avait réaffronté Bowser, c'est ça. Et donc on était arrivé au monde 5, j'avais fait la première galaxie qu'on y trouve, c'est-à-dire le satellite survolté. On a déjà trouvé la médaille comète, mais par contre je crois qu'on n'avait rien débloqué du tout, enfin il faudra revoir après. Par contre je voudrais juste avant ça donner mes fragments au banquier. Je crois que je vais passer un nouveau cap en fait, je vais passer un nouveau millier. Voilà, ok. Oups. Et voilà, donc on atteint les 2023 et donc normalement je crois qu'il a un nouvel accessoire. C'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires, on m'a dit que normalement il changeait d'accessoire tous les 1000. D'accord, je sais pas c'est quoi, c'est une espèce de lance avec un bouclier. Je vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave. On peut le voir de face comme ça. Bon, on dirait une espèce de garde en fait. Il garde l'œil sur nos sous-sous. Alors du coup, ben comme comme je file à chaque fois tous mes fragments, je peux pas les donner au Luma Goinfre. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai oublié en fait. Je voudrais juste revoir comme ça si j'en ai pas oublié. Ah, attendez, on va aller récupérer des sous-sous là. Voilà, sous-sous dans la popoche. Bon, ici visiblement il y a rien. Voilà. Non, j'ai pas fait ça. Vu d'ensemble, s'il vous plaît. Bon, enfin, je vais pas, à la limite, je vais pas faire toutes les galaxies. Bon, c'est pas trop grave. Par contre, c'est quoi ce logo bizarre là? Ah, c'est le robot. D'accord, donc il avait peut-être une petite mission à me proposer. Bon, ça, c'est pas grave. On y reviendra. Pour l'instant, je vais essayer d'avancer un petit peu dans les nouvelles galaxies qu'on vient de découvrir. Alors, ouais, visiblement, on peut donc passer. On avait débloqué le passage. On va regarder vite fait hein, pour voir où ça nous amène. Alors ça nous amène ici, lui il demande 1500, sachant que j'ai que 2000. Ouais, il y a plein de trucs. Ah, là il y a des bouts, ça m'intéresse, j'aime les bouts. Et là il y a de la glace, du feu, etc. Alors ça a l'air d'être plutôt pas mal ici, relativement beau. Ici on voit qu'on va avoir affaire à des histoires de gravité. Là il y a du sable, alors je déteste le sable dans Mario Galaxy 1. J'ai détesté les niveaux qui étaient dans le sable, c'est vraiment chiant. Toujours est-il qu'on va retourner ici au satellite survolté, puisqu'il nous manque une super étoile. Et qui s'appelle la tour du tournotour. D'accord. Du tournotour, pardon. Pff, ah, j'aime bien ce genre d'épreuve. Je trouve ça assez sympa. Là, je vais pouvoir faire véritablement une démonstration de skill. Je crois qu'on m'appellera monsieur après ça. Monsieur Itachi. Allez. Oups. Non. Je crois qu'il faut que je m'agrippe avec ça. Par contre, j'ai peur de me faire toucher. Non, c'est bon. Hop. Il y a un transporteur au milieu. C'est moi qui galère, en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi, par contre, c'est en noir et blanc. Je crois que c'était normal. Voilà. Tchac. Ah d'accord, c'est pour ralentir le temps. C'est plutôt pas mal, en fait. On n'a pas eu affaire à ça jusqu'à présent. Je vais essayer de rester ici pour pouvoir recouper le temps. Tchac. Allez, on va prendre la piécette. Et là, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Oula, il va falloir que je fasse attention, là. J'ai l'impression que ça va super vite. Wow. Allez, vas-y, avance. Non. Faut me faire avoir. Alors, là, je crois qu'il faut que j'aille sauter sur sa tête. Cette espèce de robot qui fait drôle. Non. Voilà. Bon, il est plutôt sympa ce niveau là, déjà au niveau du style. Ah ouais, ça c'est obligatoire, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on peut pas passer... On peut pas passer si c'est à pleine vitesse. Hop.
là, il y a des pics. Attention. Alors, je crois qu'il va falloir que je le ramène ici. Eh bien, viens, viens. Pour me faire sauter là-haut. Voilà. Bon, j'espère qu'il va pas falloir le faire 15 fois parce que j'avoue que je suis pas trop rassuré avec ce Gus là. Hop. Voilà, attention. Là, c'est. Mais. Bon, d'accord, je descends. Bordel! C'était trop cheaté quoi, je pouvais rien faire. Il y avait une boule, il y avait un truc au-dessus de moi, il y avait quelque chose devant. Voilà, nickel. Oh bah, tiens, je tombe direct là-dedans. Tant mieux. Un mini-jeu, on va essayer de le réussir. Par contre, je crois pas qu'on puisse récupérer les pièces en faisant l'attaque tournoyante, ça c'est un peu dommage. Ah non, je me suis loupé. Bon, tant pis, j'en ai déjà récupéré un petit paquet. C'est déjà ça. On va recouper le temps. Aïe aïe. Par contre, j'ai peut-être choisi le mauvais moment. Ça passe pour l'instant. Non. Ça va pas passer. Ah waouh. Ah bordel. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je suis vert. Voilà. Bon bah, je me suis bien loupé. Voilà. C'est pas si facile franchement de trouver le bon créneau comme on dit. Hop. Waouh. Tchac. Allez, c'est parti. Non. Ah mais non. Poussez-vous. Bon, j'y vais un peu à la bourrin, c'est vrai. Ah mais non. Non, mon pitié. Oh, c'est pas vrai, je suis nul quoi. Alors attendez. Hop, désolé, j'ai dû mettre une petite pause. Hop, oh, ça passe. Ouh là là, bordel. Bon, ça va, eux, ils font pas de dégâts. Ils font juste que me pousser. Ah ben non. J'arrête pas à y sauter dessus. C'est pas vrai. Hop, voilà. Bon, est-ce que je vais y arriver à bout de ce passage-là, qui est quand même assez chaud. Ah bah non. Ah bah oui, mais si je fais le con aussi. Bon bah, on va attendre que le push revienne. Voilà. Allez, vas-y. Oh. Ah bah non, il m'a poussé. Oh là, c'est pas vrai. Bon, ça va être minable. Moi qui avais dit que j'allais faire une démonstration de skill. En fait, je fais plutôt une démonstration de ce qu'il faut pas faire. Ha ha. Oh, elle est bonne celle-là. Celle-là, je la garde. Allez. Ah bah non, mais... Oh bah non. Non, attendez. Je crois que j'ai une technique, là. Voilà. Voilà. Ah bah... Il a réussi le Itachi, bordel. Hop. Non, non, non. Ah, putain. Bordel. Bordel, oh là, j'ai eu de la chance. Ok, donc il faut que je sois ici, en fait. Ah, j'avais presque réussi. Non. Bon, là, je me suis un peu loupé. C'est pas facile, en fait, de trouver le créneau... le créneau idéal, parce qu'ils sont toujours... vraiment décalés. Voilà. Alors, par contre, je sais pas où je dois aller. Oh, d'accord. Y'a de la bête.
Allez, vas-y. Allez, j'en ai fumé un. Bordel. Allez. Ah, bordel, d'accord, ils sont pas seuls. Et là, c'est celui qui va me permettre de grimper là-haut, normalement. Si tout se passe bien, si j'arrive à lui sauter dessus. Si j'arrive à lui sauter dessus, j'ai dit. Voilà. Ah non. Allez, vas-y. Non, il va me tuer. Il va finir par me tuer si ça continue comme ça, quoi. Ça y est. Ah, j'étais assez minable. Mais finalement, c'était plutôt marrant. Moi, je me suis bien amusé. Allez, donc on repart d'ici avec une nouvelle super étoile. On arrive déjà à la 47e. Alors, on m'a précisé qu'il y en avait 242. La dernière fois, il y avait un mec qui était pas content parce que j'avais dit 240. Et c'est comme ça. Comme je connais pas encore bien le jeu, je découvre. Alors, ouais, bah, on va retourner directement par là, hein. Y a rien d'autre à faire. Allez, donc on va aller. Du coup, on va aller de ce côté-là. Par contre, je sais pas par où je vais commencer. Puisqu'il y en a plein, en fait. À la limite, ouais, je vais commencer par ça, là. L'espèce de château bizarre. D'accord, château dessus-dessous. On porte bien son nom. Il n'y a qu'une seule super étoile pour l'instant. Alors, je suppose que comme partout, il y a aussi une médaille comète. La gravité renversée. J'aime bien en fait ces niveaux là. Je suis pas trop fan de... Ah, médaille comète là-bas. Je suis pas trop fan en fait de... du délire 2D, mais en fait j'aime bien quand il y a des changements de gravité comme ça, c'est plutôt sympa. Ça apporte quelque chose de neuf. Voilà. Hop. Il faut que je fasse attention à bien récupérer les pièces, un maximum, on va dire. Waouh! Ah d'accord, c'est une espèce de colonne. Ah tiens, comment je vais pouvoir faire pour aller là-bas? Non. Je sais pas si je peux... Non, si je fais ça, ça me fait ça. D'accord. Ah, attendez. Je crois avoir une idée. Ah non, ça m'a... Non, ça a pas passé. Ouais, je sais pas trop comment on peut faire pour aller là-bas. Hein. Ah, c'est peut-être en passant par la droite. Aïe. Là, je me suis loupé. Peut-être en passant ici, voilà. Ah non! Ah bah tiens. D'accord, j'ai fait n'importe quoi. Ah mais ça me laisse perplexe là. Je sais pas comment on fait pour aller là-bas. Ah là, là. Mais par contre, ça me dit toujours pas comment je peux faire pour aller là-bas. Attendez, je crois avoir pigé. Hop. Ah, on peut pas monter. Je peux pas rentrer là-dedans là. Attendez, je vais retenter encore une fois si j'y arrive pas. Bon. Visiblement, ça marche pas. C'est pas grave, allez, on avance un peu. Wow. Non. Waouh. Wow, wow, wow. Allez, coup de patte. Alors, comment il va falloir que je fasse, que j'utilise ça? Je suis bloqué dans une autre dimension, quoi. Hop, ça a l'air d'être ça. Oui mais non. Enfin oui mais... Ah bordel. À moins qu'il faut simplement... Oh bah les go... Eh, je peux plus. Non. Bon, je crois qu'il va pas falloir passer par là, peut-être par ici. Moi je voulais faire le mec super skillé mais en fait ça me va pas. Nickel! J'aime ça. Allez, là, on va pouvoir passer au milieu. Ah, par contre, là, voilà, on peut plus revenir en arrière, vraiment, quoi. Tchac! Bon, je vais pas trop me faire chier avec les... boîtes.
On va juste passer directement par là. Hop. Alors ça va être pourquoi ça? Ah, c'est juste pour activer ça. Ah non, vas-y quoi. Cheater. Bon, attendez. À la limite, je vais attendre que ça revienne. Voilà. Oh non. Ah d'accord. Ah mais il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Non, non, non. Bon, là, je me suis encore loupé. En fait, il faudrait que j'essaie de les flinguer, ceux-là, là. Voilà, coup de patte, et voilà. Normalement, ça devrait le faire. Non, ah, je me suis loupé, c'est pas vrai. J'avoue que je déteste les trucs comme ça, un peu chronométrés. Nickel. Je les déteste, mais c'est pas non plus infaisable. Ah, c'est ceux qui veulent bouffer ma casquette, là. Waouh, waouh. Ça change tout seul, là. Ça change tout seul. Et hop. Ah, il va falloir que je fasse attention. Vas-y, mais casse-toi, toi. Jackie, là. Va falloir que je fasse attention, en fait, parce que je crois que la médaille comète, elle doit être dans les environs. Hop. D'accord. Ah non! Ça pique! Alors comment je vais faire? C'est pas grave. Ah bah j'ai perdu... Ah ouais, non, c'est dommage ça, j'ai perdu mon truc du coup. Non! Ah bordel! Allez voilà, ben voilà. Moi je suis un dingue, moi. Non! Je veux pas mourir! Voilà. Bon, je l'ai fait vraiment à la barbare, quoi, mais... Ah, je suis assez fier de moi, d'ailleurs. Je vous le cache pas. Tchac, hop. Alors, attendez. Parce que là, j'aimerais bien aller tout droit, d'abord. Et récupérer aussi... Ah non, il n'y a pas de pièces ici. J'aimerais bien récupérer une ou deux pièces. Non ! Bordel ! Voilà, ouf. Bien joué, Itachi. Ah mais vas-y ! Ah vas-y ! Ah bien joué ! Je vais fail ! Ah mais je suis trop nul, quoi ! Oh, quel mongolien. D'accord, on reprend ici. Allez, vas-y. Bon, ce qui compte, en fait, c'est d'avoir récupéré la... Comment elle s'appelle? La médaille comète, en fait. J'avoue que c'est un petit peu sur ça que je m'étais concentré. Hop. Bon, ça va. Après, c'est pas trop trop loin non plus. Mais c'est vrai que ce passage, il rend un peu dingue, là, avec les changements intempestifs de gravité. Et c'est moi! C'était juste? Ah d'accord, mais il va falloir que je récupère la médaille. Voilà, ça c'est fait! Hop! Bah, il est mollo quand même. Allez, on va passer. Tiens, une pièce, histoire de reprendre les niveaux que j'ai perdus bêtement. Enfin, pas les niveaux, les points de vie, pardon. Voilà, bon, en fait, c'est pas si compliqué en plus, hein. C'est vraiment que... Bon, quand je fais un petit peu le bébête, ça m'arrive. Bon, encore une fois, un niveau très sympa, hein, comme je vous ai dit, avec les changements de gravité, j'aime bien ça. Même si je suis pas forcément fan du délire 2D. Mais là, je trouve que ça ajoute une petite touche très sympathique. Et donc, encore une médaille comète de récupérer. Aïe, aïe. Alors, château, dessus, dessous. Alors, visiblement, il y en a une qui est cachée.
J'ai rien vu, peut-être que vous avez vu quelque chose. Mais moi j'ai rien vu de particulier. Allez, on va aller chez les bouts. Comment ça s'appelle? Petit bout de lune. Ah bah tiens, ça peut faire une bonne idée de titre ça. Alors il y en a deux, ici il y en a deux aussi. Je vais regarder en fait combien il y en a à chaque fois. Ça peut aider. Il y en a qu'une. Ah bah à la limite on va aller faire celle-là. Parce que là il me reste à peu près 10 minutes pour la vidéo. Il me faudra 55 super étoiles pour passer ici. Il m'en faut encore 7 quoi. C'est un truc de fou quand même. Allez, on va aller faire magma glacé. Alors le prince Poulba brise la glace. D'ailleurs ça me rappelle un niveau aussi dans Super Mario Galaxy 1 dans lequel il y avait aussi pas mal de lave et où on utilisait Mario Glace. Oh comment il est dégueulasse. On utilisait Mario Glace pour en fait littéralement faire du patin à glace sur la lave. Hop. Ah bordel. D'accord. J'ai même pas vu le... Même pas vu qu'il y avait un passage là. Tchac. C'est pas grave. Alors j'aime pas ces trucs là qui se déplacent tout seul. Ah, y'a Mario Nuage. Mais où est-ce que je vais? Ouais. Tout ça pour ça, bon bah c'est bien. Waouh. Oula, faut que je fasse gaffe. Une piécette. Là ça me touche pas encore. Voilà, là cette fois-ci ça passe. Qu'est-ce que je dois faire? Non! Il va falloir que j'aille jusqu'à là-bas, comme ça. Bon, c'est pas grave, je crois que là j'avais pas trop le choix. Allez. Ah, ça m'intéresse, c'est déjà mieux. Alors on m'a dit qu'il fallait appuyer sur une touche, je crois, sur Z. Ouais, voilà, d'accord. Oh là, le beau gosse! En arrière, quoi. On m'avait dit ça dans les commentaires. Appuie sur Z, ça fait un truc sympa. C'est vrai que ça c'est... Ah, merde! Hop! C'est vrai que c'est assez délire. Oh là, quelle aisance sur ses patins. Ah non! Ah, il y avait un tuyau à côté, J'ai pas pu le faire, bon c'est dommage. Peut-être qu'il faudra y revenir de toute façon pour une étoile cachée ou quelque chose comme ça. Et on va aller à fond par là. Ah non non non, faut pas aller à fond par là. Ah je suis trop... Waouh. Waouh bordel. Alors par où il faut que je passe? En face là. Waouh. Mais je suis un dingue. Je dirais même que je suis overskilled. Eh, là franchement j'ai pas géré. Je pose la question, j'ai géré ou j'ai pas géré? Knife. Ah par contre là je crois que je vais faire moi le malin en fait. Hop. Voilà. C'est déjà un petit peu plus chaud. Non. Je veux pas mourir. Voilà. Non. Allez, fonce. Bon, c'est bon, j'ai récupéré la médaille comète. En plus, ça, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire, ici? Oh, d'accord. Il va falloir faire... Ah, d'accord, c'est des espèces de météorites qui tombent. Non! Non! Non, je veux pas mourir! Bordel. Bon, encore heureux qu'il y avait un checkpoint, parce que sinon, j'aurais dû repartir super loin. Alors, c'est pas facile, là, pour tourner. Voilà. Bon, on va y aller on va y aller à la normale en fait. Ah vite. Oh là là. J'ai failli crever, il me restait qu'une seule partie d'énergie. Alors comment je vais faire là-bas? Tiens, toi tu m'as saoulé. Ah d'accord. Oh, je vais renvoyer dans sa face. Alors, ça lagouille un petit peu. Ah non!
J'en ai renvoyé deux ou trois d'un coup, hein. Ça c'est pas mal. Je suis assez fier de moi. Et voilà. Ah mais d'accord, c'est ça qu'il fallait faire en fait, c'est pour ouvrir le chemin. Non ! Bon bordel ! Oh là là, c'est cheaté. D'accord, bah voilà, bah ça c'est perdu. Ah non ! Oh c'est pas vrai ! Ouais mais franchement je me suis fait troller quoi. Je me suis vraiment fait troller. Je m'attendais pas à ce que les trucs de glace là disparaissent. Alors pour 30 pièces, allez vas-y, je vais en acheter un. Je vais acheter un champi rouge quand même. Parce que là j'ai peur d'être minable contre le boss. Bon, il met 30 fragments, c'est pas grand chose. Transformation ! Allez, donne-moi mon dû. Nickel. Allez, donc là on va aller affronter le boss. Il est un peu space, il est dans une espèce de tonneau roulant. Surtout il a l'air pas content quoi. Ah, regardez, je le nargue comme ça, en faisant du patin à l'envers. Bon, ça a pas l'air si compliqué en fait, c'est un petit peu comme tous les poulpes en général. Il va falloir lui renvoyer les noix de coco qui va me cracher à la face. Il y avait une noix de coco verte là, j'ai pas vu. Ah, il y en a une là. Ah, bordel. Ah, c'est difficile ça par contre. Hein. Oh, non, 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 non. Ah, bordel. Ah, mais d'accord, ça se déplace en plus ces trucs là. Dans le genre cheaté, tu fais pas mieux quoi. Ah, mais d'accord, mais c'est un vrai tank en fait ce truc là. Il est fou, hein. Aïe aïe, d'accord, bon, il faut essayer d'être aussi dans sa trajectoire, ça c'est pas facile non plus. Ah, il a lâché une noix de coco là, je l'ai vu, mais où est-ce qu'elle est? Ah là, je l'ai touché. Ah non, wow, wow, wow. Comment il est pas content. Allez, on va y aller en marchant tranquillou. Il y a une piécette là-bas. Waouh. Bordel, 3 noix de coco à la face, en plus des 3 habituels. Bon là, j'ai pas pu l'avoir, celle-là était trop mal placée. Ah, elle est belle. Ah, il était sympa ce boss, franchement. Très très sympathique. Et voilà, donc la dernière super étoile sera la dernière super étoile de cette vidéo. En tout cas, j'ai passé un bon moment là pour l'enregistrement. J'ai fait pas mal de fails. J'espère que vous vous serez régalés. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé malgré les fails. C'était plutôt sympathique. Et donc, bah voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, donc, on ira faire un tour du côté du manoir hanté des Boues. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, il y a une lettre adressée au John Luma, blablabla. Bla, bla. Comme d'habitude, c'est juste pour me filer des fragments d'étoiles que je vais prendre soin d'aller foutre à la banque juste après. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à plus pour la suite.